n'a plus que 5 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi t'aimes avoir tous tes skins, sinon tu abarres tous tes skins. À ta place, je prendrais vraiment pas les risques. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je vraiment super bien. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on se retrouve simplement sur mon ordinateur. Aujourd'hui, simplement vous montrer comment obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. Voilà, je vous ai demandé sur un petit sondage sur Instagram si vous êtes intéressé pour que je vous montre comment j'ai fait pour obtenir le skin Thanos en saison 3 également pour obtenir tous les skins gratuitement. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Voilà, c'est vraiment hyper important. Je rappelle juste que ce tuto il fonctionne, voilà, excusez-moi, il fonctionne uniquement sur PC. Voilà, vous pouvez pas le faire sur console, voilà, uniquement sur PC. Il y a beaucoup de joueurs sur PC. Du coup, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la description. Là, vous allez télécharger exactement le même fichier que moi. Du coup, voilà, vous allez télécharger exactement le même fichier que moi qui se trouve dans la description. Voilà, si un méga, là, vous allez faire enregistrer. Et comme d'habitude, n'essayez surtout pas rentrer le code créateur FintexBE dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir, merci à toutes les personnes qui penseront à mettre le code créateur FintexBE dans la boutique Fortnite. Du coup, tout simplement, une fois le fichier terminé, ce que vous allez faire, là, vous allez faire enregistrer. Et là, vous allez juste à l'exécuter. Ouverture en cours, là vous allez avoir un petit message de Windows a protégé votre ordinateur. Là vous allez faire information complémentaire, là vous allez faire exécuter quand même. Là vous allez attendre le chargement et tout simplement, une fois le fichier va s'ouvrir avec une page Google. On attend le petit chargement, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Du coup là vous allez avoir ça, ce fichier pack, nanana, vous allez faire OK. Et là vous allez cliquer leur Discord, voilà, vous allez tout simplement quitter la page. Après, tout simplement, vous allez avoir ce petit logiciel qui va juste de s'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, j'ai vérifié, il n'y a aucun virus. Vous pouvez le vérifier exactement vous-même. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun virus. Tout simplement, ce que vous allez faire, une fois le logiciel ouvert, là, vous allez aller vous rendre dans les paramètres. Là, vous allez faire Open Pack Folder, voilà, excusez-moi. Et tout simplement, vous devez bien avoir tous ces fichiers-là. C'est vraiment hyper important, voilà, vous devez bien avoir tous ces fichiers-là. Après avoir fait vérifier que vous avez bien tous les fichiers, là vous pouvez choisir votre couleur orange, moi je choisis rouge parce que c'est la couleur de la chaîne YouTube. Après là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit skin. Là vous avez les skins, les boucliers, les pioches. Et pour tout simplement pour les émotes, on n'a pas un cœur, on doit attendre la petite mise à jour comme si j'ai juste les émotes. Tout simplement, moi je vais choisir exemple un skin. Voilà, vous avez vraiment plein de skins. Voilà, vous avez des skins de votre choix. Exemple, moi je vais choisir la Renegade Raider. Ah, le skin il est pas là. Ah aussi il est là. Du coup là vous allez faire tout simplement convert. Et là vous devez bien avoir le petit bouton one. Là vous allez cliquer ça. Là vous avez vraiment plein de skins. Voilà, vous avez vraiment tous les skins du jeu. Ah, tous les skins rares, excusez-moi. Du coup tout simplement après avoir choisi le skin que vous désirez, vous pouvez choisir exactement les boucliers. Voilà, moi je choisirai le bouclier du skin Galaxy, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Du coup là vous allez faire convert. Starting, là, ça prend un peu beaucoup de temps pour débrouiller, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça marche? Mais bon, on s'en fout un peu des boucliers. Ah ouais, mais il y a même ça ici. Attends, on va prendre le pingouin. Convert. Ah ouais, d'accord. En fait, vous devez bien avoir tous les accessoires avec, hein, comme ça, vous pouvez bien mettre. Parce qu'en fait, ça va tout simplement changer les fichiers du jeu. Là, vous allez cliquer, et là, vous avez juste à lancer Fortnite comme moi dans la vidéo. Voilà, vous lancez Fortnite. Et une fois venu sur Fortnite, on va tout simplement lancer le mode Battle Royale. Voilà, je suis bien connecté en tant que mon compte, c'est pas un serveur privé ou quoi. On va attendre deux mini chargements. Et tout simplement, vous pouvez bien voir, c'est mon compte. Voilà, comme d'habitude, le code créateur Fintex, voilà, dans la boutique Fortnite. Voilà, code créateur Fintex, dans la boutique Fortnite. Du coup, tout simplement, je vais vous montrer que ça fonctionne. Là, vous allez choisir le skin. Et là, vous allez tout simplement mettre tout un wall. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et là, vous allez faire pas de skin. Et là vous allez cliquer et vous avez le skin Renegade Raider en saison 3 gratuitement pour vous montrer que ça marche. Mais voilà, le skin est un peu bugué, on peut jouer une game avec. Je vous montre tout simplement tout ça. Voilà, on va lancer un petit solo. Voilà le glitch. Voilà les gars, je suis vraiment fatigué, hein.
Du coup, voilà, pour bien vous montrer que ça fonctionne, voilà, ça marche vraiment super bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà, ça fait vraiment super plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça, comme obtenir des choses gratuites et comment faire des petits glitches sur PC. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, le code créateur Fintex dans la boutique. Enfin, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et tout simplement, c'était Fintex. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Attends, on va faire une petite émote là. Voilà, celle-là. Allez, ciao tout le monde.